Bonjour à tous, rendez-vous aujourd'hui avec le clou du spectacle à Khmelnytskyi, la belle Svetlana, qui a 36 ans, que vous pouvez trouver donc à l'agence CQMI, qui offre des services de rencontre pour les hommes en France, au Canada, en Belgique, dans tous les pays d'Europe et d'Amérique et d'ailleurs. Et vous allez voir que cette jeune femme a le verbe direct, c'est-à-dire qu'elle dit ce qu'elle pense et elle est très 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 directe. Vous allez être très surpris, c'est pas une menteuse. Okay. Est-ce que vous parlez en anglais? Non. Yes or no? It's okay. И все. А вы? Значит, мы будем говорить. Donc l'entrevue va se dérouler en russe. C'est comme une discussion. Je vous pose des questions, vous répondez. La première question, pourrez-vous vous présenter, s'il vous plaît, votre prénom, votre âge, quel est votre emploi? Je m'appelle Svetlana, j'ai 36 ans, je travaille dans un salon de beauté, je fais les jeunes femmes belles. C'est la raison pour laquelle vous êtes belle. Non, je suis née comme ça. Et les femmes qui n'ont pas de chance, je les fais belles. Et je les rends encore plus belles. Il y a beaucoup de secrets pour la beauté des femmes. Oui, beaucoup, beaucoup. Même les femmes qui ne sont pas du tout belles, on peut les faire très belles. Il faut simplement faire des efforts. C'est la sagesse des femmes, l'intelligence des femmes. Ce sont des trucs que les hommes ne devinent même pas. Non, bien sûr, les hommes, vous ne pouvez pas deviner. Ça fait longtemps que vous êtes inscrite dans cette agence à Khmelnytskyi? Non, c'est fait depuis la nouvelle année. Juste avant le nouvel an. Quelle était pour vous la raison de vous inscrire dans une agence matrimoniale? Probablement trouver ma seconde moitié. Parce que je ne crois pas que cet homme vit en Ukraine. Je ne peux pas trouver ici. Peut-être qu'il vit en Espagne, en France, en Italie. Peut-être. Pourquoi êtes-vous si certaine qu'il ne vit pas en Ukraine? Je ne sais pas. C'est comme ça. Je ne veux pas un homme ukrainien. Non. Parce que vous pensez que les hommes étrangers sont plus responsables? Oui, probablement. Vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Mais je veux vraiment en avoir. Quels sont pour vous les critères principaux pour un homme? Vous avez déjà pensé à ça? Probablement le plus important, ça doit être la sympathie et le respect. S'il y a une sympathie réciproque et s'il y a du respect, je pense qu'alors les raisons vont se développer à partir de nous deux. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la sympathie en russe? C'est quand la personne vous plaît. Quand il y a des éclairs, des étincelles. Ça dépend du physique? Non. Non, bien sûr que non. Ça dépend vraiment de l'homme, comment il est. S'il me convient ou s'il ne me convient pas. Vous savez tout de suite, bien sûr. À la première rencontre. Oui, bien sûr. Je sais déjà tout de suite s'il me convient ou pas. Vous êtes très rapide, oui, très rapide. Je n'ai pas le temps d'attendre. J'ai déjà 36 ans. Vous pourriez indiquer aux hommes qui regardent cette vidéo, que faut-il faire pour vous plaire? Que doit-il faire pour être intéressant à vos yeux? Je ne crois pas qu'il faut le faire. Ça lui appartient ou ça ne lui appartient pas? C'est pas quelque chose qu'on peut modifier. Bien sûr, j'aimerais que l'homme soit attentionné, qu'il me fasse des cadeaux, et qu'il soit surtout comme un homme, qu'il se batte pour m'obtenir et qu'il soit un combattant. Parfois, les hommes, ils font des erreurs au rendez-vous. Oui, bien sûr qu'ils en font. Pourriez-vous donner des exemples? Non.
Нет? Нет, я не Je ne me souviens pas. Но это такие ошибки, что сделал и Un homme, quand il fait une erreur, il fait son erreur, après c'est fini. La première, приходить без Par exemple, venir sans fleurs à un rendez-vous. Oui, ça fait partie des erreurs. Потому что мне так кажется, что Parce que je crois que l'homme doit venir au premier rendez-vous avec des fleurs, bien entendu. Vous pensez comme ça aussi? Oui, parce que c'est un signe qu'il fait des efforts et qu'il veut s'investir. Vous vous occupez de la beauté des femmes. C'est important pour vous que l'homme soit bien habillé. Pas forcément, mais qu'il soit propre. Correct. C'est important. Parfois, les hommes me disent ces femmes sont tellement belles, elles veulent seulement des hommes riches, des hommes qui ont un gros statut. C'est vrai ou pas? Ah, quelle femme veut un homme pauvre? Personne ne veut d'un homme pauvre. Les hommes riches, ils ont une autre psychologie, ils sont intéressants. Ce n'est pas simplement que la femme aime l'argent, c'est la femme qui aime l'intellect de l'homme riche. Quand un homme sait gagner de l'argent, il est plus intelligent, il est plus intéressant. Un vendeur dans un magazine, par exemple, il n'aura pas le même intellect qu'un homme qui sait gagner de l'argent, qui a obtenu des choses dans sa vie. C'est l'intellect qui est important, ce n'est pas l'argent. C'est l'intellect qui vous attire. Oui, bien sûr. Ok. Et vous pouvez dire... Vous pourriez dire quels sont vos hobbies, ce que vous aimez faire, à part votre travail? J'aime faire des courses matinales ou des courses le soir, aller à la salle de sport. J'aime aller à la pêche. J'adore. J'aime aussi beaucoup la mer. J'aime beaucoup aller à la mer. Je travaille 3 mois, ensuite je vais à la mer. Je reviens, je travaille 3 mois, je retourne à la mer. Et comme ça toute l'année. À la mer Noire? Oui, en été à la mer Noire, mais en hiver je vais à l'étranger. En Égypte? Égypte, Turquie, oui, bien entendu. Là où il fait chaud. Nous avons aussi des hommes au Canada. Or, le Canada, c'est très loin. Très loin. Vous préférez l'Europe? Mais bien sûr, si c'est mon âme sœur, ça ne dérange pas d'aller au Canada. Je donne la chance à tout le monde. Vous ne voulez pas fermer de porte? Non, la porte est ouverte pour tous. Merci beaucoup. C'est déjà tout? Vous voulez dire d'autres choses? Non, je ne crois pas, je n'ai rien à rajouter. Alors je reprends le micro. Merci. Baby, lost your tongue.